14 ans après, le champion de Ligue 2 BKT, Le Havre, est de retour en Ligue 1 Uber Eats. Les Normands se déplacent sur la pelouse de Montpellier qui a terminé 12e la saison dernière. Montpellier se présente avec Altamari et Adams, son nouvel avant-centre. Chotard, Casri et bien sûr Teji Savanier, capitaine, sont toujours présents avec Michel Derzakarian sur le banc. Le Havre se déplace avec des recrues, Salmier, Kouziaïef, Rassoul Diaye ou encore Issa Soumaré. Opéry est suspendu pour ce premier match de l'ère Luca Elsner en Ligue 1 Uber Eats, le coach qui a ramené l'équipe dans l'élite du football français. La première opportunité est Montpellier-Rennes. C'est un peu confus, ça passe à côté. La réponse normande avec le but de Gauthier Lloris, son premier en Ligue 1 Uber Eats. 1-0 pour le Havre dès la 6e minute. La belle présence au deuxième poteau et le promu qui crée une petite surprise. Mais il reste encore beaucoup de temps et les Montpelliérains repassent immédiatement à l'attaque avec notamment cette bonne passe et Wahbi Kazri pour l'égalisation. Mais le but est refusé. Une position de hors-jeu empêche de voir Montpellier revenir au score avant la pause. 1-0 pour le Havre à la mi-temps. Au retour du vestiaire, les Montpelliérains reprennent avec un bon dynamisme. Savanier pour ce corner, le ballon est repoussé. Mais ça revient sur Teji Savanier. Le capitaine se joue astucieusement d'un défenseur avant de centrer pour son nouvel avant-centre, Akor Adams. Un premier but à son premier match officiel avec Montpellier. L'attaquant nigérian venu de Lillestrøm, club norvégien, fait déjà sensation avec son premier but en Ligue 1 Uber Eats à la 58e minute. Et moins de 2 minutes plus tard, le doublé. Le score est renversé 2-1 pour Montpellier. Grâce à Akor Adams, 15 buts en 15 matchs la saison dernière en Norvège. Et voici donc un doublé, une performance de choix en 1 minute 42. Le Havre se retrouve donc mené au score. Mais les Havrais ne désarment pas et ont ce nouveau mouvement de qualité en fin de match pour égaliser. C'est signé Samuel Grandcyr dès le début du temps additionnel. Le premier but de Samuel Grandcyr et cette égalisation à deux partout. Montpellier n'a pas pu tenir le score jusqu'au bout et le promu obtient un point à l'extérieur pour son retour en Ligue 1 Uber Eats. Deux partout entre Montpellier et Le Havre.